suento, chi soffia in su brado, un'ora i beurra, o un buffo lui sperrenza. E lo serra spandicatore, o creatore d'una pane, empiando un ostro corre, l'allegria i Donc l'armurerie Atchispre a sélectionné ce nom par rapport au... Donc tout d'abord c'est une contraction d'Atchispre qui dans le langage populaire peut signifier un vieux fusil, et à l'origine c'était le nom donné aux armes des troupes paoliennes au XVIIIe siècle, donc qui détermine des fusils à silex. Voilà, et nous on a pris cette contraction Atchispre pour le nom de notre armurerie. Atchispre armurier s'est implanté en 2015. Sur la commune de Peyre, donc c'est une commune qui est en périphérie d'Ajaccio, à je dirais un quart d'heure du centre. Nous avons choisi cette localisation par rapport au fait que on est vraiment aux portes du parc régional et dans une zone rurale et véritablement au calme pour pouvoir travailler en atelier et pour pouvoir recevoir nos clients dans les meilleures des conditions. On retrouve en Corse différents types d'armes utilisées pour la chasse aux sangliers. On retrouvera traditionnellement des armes basculantes en calibre 12 ou en calibre 20 également maintenant, qui commencent à être demandées, où là on pourra tirer de la chevrotine et de la balle. L'utilisation d'armes lisses pour la chasse au gros gibier inclut également les armes semi-automatiques qui permettent, de tirer différentes munitions comme la chevrotine et la balle, exactement pareil que pour les armes basculantes. Le dernier modèle utilisé depuis une dizaine d'années maintenant, et qui l'était par un plus petit nombre de chasseurs il y a longtemps, c'est la carabine rayée. Donc ici en modèle semi-automatique qui permet d'avoir trois coups, comme je dirais à la différence d'un Express qui n'en proposera que deux. Ici qui sera chambré dans des calibres comme le 30-06, le 9.362 ou le 308, ou le 300 Winchester Magnum encore qui a bonne presse sur la Corse. Ici on retrouvera la célèbre Browning Bar qui est une des carabines les plus plébiscitées sur notre île. Dernier type de chasse que l'on peut rencontrer, et pas des moindres en Corse, c'est donc la chasse à l'affût ou à l'approche, donc qui se pratique essentiellement en montagne ici, où là on va retrouver des armes à verrou manuelles, plutôt légères. L'idée c'est de pouvoir, on marche plus qu'on ne tire, donc du coup on cherche de la légèreté dans les armes, et ceci toujours couplé à une lunette à fort grossissement pour pouvoir engager les cibles et les sangliers de 2 à 300 mètres maximum. Donc voici les trois types de munitions que l'on retrouve dans la chasse en Corse: balles, chevrotines et cartouches métalliques pour armes rayées. Alors la spécificité de la chevrotine en Corse est liée avant tout à un rapport historique, puisque à une époque c'était la munition qui allait dans tous les calibres 12. Donc il est certain que pratique, on pouvait passer, en changeant la munition, on change de chasse. C'est l'intérêt du calibre 12, et la chevrotine répond à ça. D'autre part, on se retrouve dans une chasse assez fermée, souvent en Corse, avec des distances de tir qui peuvent être extrêmement faibles. Et la chevrotine, en termes de sécurité et d'efficacité, dans ce domaine-là, reste l'une des meilleures. En ce début d'année 2022, je souhaite à tous les chasseurs de Corse de belles actions de chasse.